Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc on est vendredi, c'est le jour 3 des vlogs d'emménagement, déménagement et compagnie. Le programme d'aujourd'hui, là, parce que je me suis réveillée, donc là il est midi, je m'embrouille un peu, désolée. Donc là il est midi, je me suis réveillée à 10h, j'ai pas mis de réveil parce que j'étais fatiguée hier et donc je me suis dit, vas-y, il faut que je dorme. Donc j'ai pas mis de réveil, je me suis laissée me réveiller quand j'avais assez dormi en fait, donc je me suis réveillée du coup à 10h. J'ai monté le vlog d'hier parce que hier en me couchant j'avais clairement pas la foi, donc je l'ai monté ce matin. Du coup là il est terminé, il me reste juste à faire quelques petites modifs dessus, mais je pense que je ferai ça juste avant de le mettre en ligne. Et là je vais aller chercher mon canapé. Donc, je l'ai reçu hier mais j'ai été prévenue bien trop tard qu'il était arrivé. Du coup le point relais où je devais aller chercher était déjà fermé. Donc du coup je vais aller le chercher ce matin, le mettre à mon appartement. Ensuite je dois revenir ici, récupérer le four, aller chez Conforama, me faire rembourser, racheter un four, racheter des plaques. Bref. J'ai pas mal de choses encore à faire et cet après-midi, je pense que je vais commencer à vraiment emmener mes affaires et tout à l'appartement pour que du coup samedi on puisse emmener les gros meubles, soit le lit, le bureau, les miroirs, enfin voilà, tout ce qui prend un peu de place et qui ne rentre pas dans ma petite voiture. Et du coup, voilà pour le programme. Si ça change de toute façon, je vous tiendrai au courant. Et là, je vais du coup aller chercher mon canapé. Et j'ai trop hâte de voir à quoi il ressemble et j'ai trop hâte de le mettre dans l'appartement pour. Et bien voir la place qu'il prend aussi dans la pièce. Mais ça va être cool. Donc voilà, je vous emmène avec moi. C'est parti. Bon là je suis dans mon appart. Alors il y a un peu de bruit parce qu'il y a toujours encore les travaux en bas dans ma cour. On a monté le canapé. Donc du coup il me reste à le monter rapidement. Et ensuite il faudra que je retourne chez moi. Parce que du coup on m'attend en bas. Enfin, que je retourne chez moi pour aller récupérer le four et aller chez Conforama. Donc voilà, il est un peu taché le canapé en haut, j'espère que ça va partir. C'est des petites taches, on dirait, vous savez, un peu d'humidité ou d'eau, je sais pas trop. Je sais pas si c'est dans les entrepôts, s'il reste un moment et donc du coup ça prend de l'humidité, donc c'est un peu relou. Mais bon, au pire c'est pas bien grave. Là je vais juste mettre les pieds vite fait et je vous retrouve juste après, voilà. Bon bah voilà, le canapé est monté. Alors je sais pas encore s'il va rester là ou pas, mais normalement c'est prévu pour qu'il reste ici. Donc on verra, sachant qu'il y aura la télé accrochée au mur. Je suis complètement essoufflée parce que j'essaie de faire au plus vite. Et du coup voilà, je trouve ça vraiment trop canon. Et bref, je vous en montre pas plus, déjà je vous en ai beaucoup trop montré. Je descends, je m'en vais, je vais chez Conforama, à tout à l'heure. Du coup je viens d'arriver chez moi, c'est un peu le speed. J'avais reçu des colis, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. C'est deux trucs que je me suis commandé sur Amazon et je vais vous montrer ça tout de suite. J'espère que c'est bien ce que j'attends. Je vais regarder et je vais regarder avec vous du coup. Alors, normalement ça c'est une guirlande pour les vidéos de Noël. Oui, c'est ça. C'est une guirlande LED comme ça du coup que j'ai acheté sur Amazon. Et ça pend en fait. Et donc du coup c'est pour mettre sur mes décors pour les vidéos de Noël. Ça va être trop joli. Il y a tellement d'ampoules, oh là là. Bon, gros fuego, il faudra que juste que je regarde si ça fonctionne. Belle. Okay, dans un petit... Elle est trop jolie, elle est en marbre noir. J'en avais déjà eu une pour mon ordi en marbre blanc, mais ça se salit beaucoup trop. Et donc du coup, là j'ai décidé de prendre en noir. Trop cool. Donc ça vient de la marque Aidoo. Apparemment, je ne savais pas, hein. Moi j'ai pris la... Oh non, ils en font des trop cool. Ils en font en pastèque, en ananas, banane, avocat, pizza. Regardez, ils font énormément de modèles. C'est très très cool ça. Hop, et du coup... En plus j'ai mon ordi juste à côté, donc je vais pouvoir lui mettre direct. Non, elle est trop belle et elle est effet mat en fait. Du coup, ouais, elle est vraiment trop jolie. Hop. Ils les mettent dans une petite pochette comme ça, je trouve ça trop bien. Du coup, mon ordi. On va lui mettre ça. Est-ce que je vais y arriver?
Comment on fait? Je ne me rappelle plus. Comment c'est censé tenir? Ah. Voilà. Oh, regardez comment il va être trop beau. Et ensuite en bas. Du coup, c'est dans ce sens-là. Hop, et de l'autre côté. J'aime trop, il est trop beau. Voilà, il est tout bien protégé. Elle est trop jolie. Bon bah voilà, c'était tout pour du coup ce que j'ai reçu. Là du coup le programme c'est d'aller... Ah attendez, d'abord je vais vérifier que les ampoules fonctionnent bien toutes. Parce que ça c'est un coup, est-ce que ça fonctionne pas? Alors attendez. Donc elles s'allument et il y a plusieurs modes. Donc il y a ça, là elles s'éteignent, elles se rallument je crois. Là ça clignote. Et là-bas, elles sont juste toutes allumées. Et ça, je trouve ça trop joli aussi. Donc voilà, c'est nickel. Elles sont trop, trop bien. Vraiment, je suis super contente. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais chez Conforama rendre mon four. Ça me fait chier, pour être très honnête. Mais j'ai pas le choix. Donc, et ben j'y vais. Voilà, tout simplement. C'est dit, tu fermes ta gueule. Et tu y vas. Voilà. Bon les gars, je suis de nouveau de retour à mon appart. Je suis... épuisée, je me suis embrouillée avec le mec de confo parce qu'il voulait pas me reprendre le four parce qu'il manquait du polystyrène et parce que ça l'a énervé, que du coup il était de mauvaise humeur, il voulait pas me le reprendre. Grâce à je ne sais pas quoi, il a fini par changer d'avis, il me l'a repris, j'ai pu racheter un four et racheter des plaques. Parce qu'en fait je sais même plus si je vous ai expliqué hier, mais dans le doute je vais réexpliquer, voilà, au pire ça fait pas de mal. De base ce qu'on avait fait c'est qu'on avait pris un mini four où au dessus, donc vraiment collé, c'était un combiné, vous aviez des plaques en vitrocéramique que du coup on voulait venir mettre ici, sauf que le four montait jusque là et donc du coup j'avais genre cet espace là pour pouvoir cuisiner, ce qui est impossible. Ce que j'ai dû faire c'est prendre un four normal tout seul qui va venir en haut du frigo et prendre des plaques en vitrocéramique qui vont venir juste à côté. Alors je ne sais pas, il y a des éclairs de lumière dans mon appart les gars. Vous les voyez ou pas? C'est très bizarre ce qui se passe. Enfin bref, du coup la morale de l'histoire les gars, c'est que quand vous ouvrez un truc que vous venez d'acheter, gardez bien tout, n'abîmez pas la boîte, même une toute petite déchirure c'est mort. Faites vraiment attention parce que sinon vous allez vous retrouver emmerdé et comme moi quoi. Mais bon j'ai passé, ouais j'ai attendu bien 40 minutes avant qu'il accepte de me... Bah, de me rembourser en fait. Surtout que j'allais réacheter dans le même magasin donc c'était complètement con. Mais bon, je suis toute rouge, j'en peux plus. Je vais juste déballer le four pour voir au niveau de l'espace qu'il prend en fait au-dessus du frigo. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Je suis fatiguée, je n'en peux plus de cette journée et c'est pas terminé. Donc courage Cindy, parce que t'es pas au bout de tes peines. Bon, je suis avec Madame Inès et on va chez Leroy Merlin pour du coup acheter mon dressing parce que je vais pas reprendre celui qui était dans ma chambre. Flemme de le démonter et puis ma mère en a besoin, donc du coup je vais en acheter un nouveau. Donc on va chez Leroy Merlin et je suis au bout de ma vie. Voilà, donc c'est très sympathique. Et après il faudra qu'on rentre et qu'on récupère des trucs pour aller à l'appart et les déposer à l'appart. Et voilà. Alors, on est en phase de pré-déménagement. La voiture est pleine à craquer. C'est lequel de dire, je pense. Je sais pas si on voit un peu derrière ou pas. C'est le bordel. Du coup, nous on se voit pas. Chacun non. Son truc, c'est mieux. Chacun sa merde. Toi t'es là. Moi je suis là. Bon là je vois le carton. Voilà. On se prépare à monter un dressing. Il est 19h40. On en a pour jusqu'à 23h. J'en ai un le cul. Je veux rentrer chez moi s'il vous plaît. Et demain c'est reparti pour un tour. Ah oui. Je sais pas quand cet appartement sera complètement meublé. Mais bon. Inch'Allah voilà. Dimanche hein. Inch'Allah dimanche. Non, demain normalement c'est bon. Normalement demain, mais je doute fort que ça soit tout fini demain. Donc là il faut qu'on teste où est-ce qu'on met les trucs. On a une galère de four. Elle a une galère de four, elle s'embrouille avec tout Conforama. Oui, c'est normal. Je crois que je sais plus si j'ai raconté. Je crois que j'ai raconté. Ouais. Donc dommage qu'on ait pas pu filmer ça, mais tout Conforama s'embrouille avec Cindy. Ah, j'ai bien gueulé comme il fallait. Hein. Voilà, moi je fume ma clope pour me déstresser parce que. Ah, c'est vrai, c'est dur. Hein. Par contre, fumer nuit gravement à votre santé. Je vous déconseille de faire comme moi. Mais... Tant qu'à faire, je raconte un peu ma life. T'avais pas arrêté de fumer depuis 2 ans, cette mytho. Si, j'avais arrêté. Vous croyez moi, ouais. Menteur. Je suis plus crédible. Nanana. C'est ouf celle-là. Bon. On vous rappelle qu'on arrive à la maison. On vous rappelle. Là, il y a trop de trucs dans la voiture.
Donc à plus tard. C'est où qu'on est en. Ok, donc là on est avec Inès à l'appartement. Depuis tout à l'heure on est en train de monter mon dressing. Et donc là j'étais totalement sereine en train de mettre le petit crochet pour mettre, vous savez, la tringle. Et je l'ai totalement vissé à l'envers. Voilà, et Inès à côté de moi qui me regarde et qui ne me dit rien. Merci beaucoup. On a installé les rideaux, donc par contre c'est un truc de malade comment ça agrandit la pièce. Et ça du coup c'est vraiment top parce que tout ce qu'on peut agrandir dans cette pièce c'est... Oui bien sûr, tout ce qu'on peut agrandir dans cette pièce ça vaut le coup de l'agrandir. Et du coup on a terminé de monter le dressing et du coup on a mis la petite tringle où il y aura mes affaires. Et voilà, là ça avance petit à petit et puis d'ici demain je pense que tout sera bon. Ça va Inès, t'es pas trop fatiguée? Ça va, non c'était pas trop dur. Ouais non, là pour le coup c'était grave facile de monter ça et puis mettre les rideaux, bah c'est pas compliqué vu qu'il y avait déjà la tringle. Donc ça va. Bon, je pense qu'il faut pas faire attention à ma coupe de cheveux et à cette lumière jaune absolument immonde. C'est la fin de la journée, demain c'est le plus gros du déménagement. Normalement demain on a tout fini, toutes mes affaires seront dans l'appart, en tout cas je l'espère. Croisons les doigts. Et j'espère que du coup, bah, samedi, je pourrai faire ma première nuit dans l'appart et dimanche et toutes les autres. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans un nouveau vlog.